lutte contre les gravites. Tu es qui rentre. Je passe quand tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la salité? Tu vas encore faire trop de miagro. Je vis dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débord de bande de bouquins fait son off. Alors qu'il parade les confiances. On ne balaye pas chez nous. On veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout. Dans la saleté. Oh yeah. C'est comme ça et c'est bien tout. Et pas pour rien de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé. C'est la faute à Pabia. Ma voiture des matins. C'est la faute à Pabia. Mon gars me nyorce mal. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie. C'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz. Et la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur. Je dis que tu vas épouser une bambilété. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton tonton qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi. Tu es seulement toi. Moi tu le don de la puce te fait quelque chose pour toi. C'est ça le grand beau bout. Et en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de elle. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un bougou. Nerveux dès le matin, périphère. Ne me parle pas de balayer mon poids, trop pôle n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Juste attendre qu'on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, là, un char. Tu ne vas même pas Paul Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens. Tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Il faut envoyer au président le direct. Il faut le taguer le direct. Il faut qu'il m'écoute. Excellence, Monsieur le Président, je vais vous donner un conseil. C'est juste un conseil. Mais c'est ce qui va se passer après quand vous ne serez plus là. Faites tout avant de quitter le pouvoir, si vous voulez. Arrangez-vous à remettre le pouvoir à un Bamileke. Je m'explique pourquoi. J'ai posé la question, ça fait 2 ans que je continue à poser la question. Est-ce que dans l'histoire du Cameroun, quelqu'un peut me dire si un ressortissant du Septentrion a trahi le président Amadou Ahidjo, paix à son âme? Ma petite expérience et mes enquêtes personnelles me disent non. Les coups tordus que le président Biya a eu depuis 1982 jusqu'à nos jours sont portés que par les élites du centre, sud, l'est et littoral. Donc, Excellence, avant de quitter le pouvoir, faites tout, remettez à un Bamileke. Et voici ce qui va se passer. Mes parents là ne savent pas ce qui va leur arriver. Quand le président Biya va donner le pouvoir à un Bamileke, voici ce qui va se passer. Cocorico va mettre la pression au gars Bamileke qui sera au pouvoir. Il va dire au gars Bamileke qui est au pouvoir de liquider toute l'élite bêtise centre sud et électoral. Écoutez-moi bien, ça va arriver. Cocorico va mettre la pression. Le président Bamileke qui sera au pouvoir va liquider toute l'élite, je dis bien toute l'élite du centre sud, et l'est et littoral. Vous savez pourquoi Cocorico va faire ça? Cocorico a intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que si Cocorico ne fait pas ça, il faut en même temps que Cocorico tienne en l'est le nouveau président qui sera de la région de l'ouest. Il faut que d'entrée de jeu, il crée une scission entre l'élite de l'Ouest et les hommes d'affaires de l'Ouest. Il les sépare avec l'élite du centre, sud et l'Est. Ils vont même confisquer l'argent que l'élite du centre et sud et du droit ont donné aux gars de l'Ouest. Ils vont même confisquer. Ça, c'est pour préparer le terrain de la tension. Il faut maintenir la tension. Et maintenant, les élites du centre, sud et l'Est du droit ne vont pas se laisser faire. Ils ont les entrées à Paris. Ils vont dire
allons voir, on va voir. Ils vont à Paris. Quand ils vont aller à Paris, ça permet à Paris d'avoir un élément de pression sur le président Bamileke. Est-ce que vous m'écoutez? Ça va permettre à Cocorico d'avoir un élément qui va mettre la pression au président, lui qui sera de l'Ouest. Parce que, ayant mis la pression, il a viré tous les lignes du centre sur les lignes littorales. Il restera avec quelques-uns qui ne pèsent pas politiquement. C'est la stratégie de Cocorico. Et ils vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a implémenté en Centrafrique. Ça fait 60 ans qu'il implémente ça en Centrafrique. Il n'a pas réussi à l'implémenter au Cameroun. Juste parce que au Cameroun, il y a eu un président intelligent, sage et qui connaît la géopolitique. Résultat de course, ils ont préféré calmer. Je vous mets la vidéo, je vous mets l'audio de professeur Charlemagne Mtsangnyamding avant de revenir. Ça va arriver, ce que je vous dis là. Parce que Cocorico ne change pas de méthode. C'est juste la manière d'implémenter qui change. Et quand tu observes, c'est la même colonne vertébrale. Écoutons donc le professeur Charlemagne Mtsangnyamding. On l'écoute, après on revient. On va écouter dans deux audios. On voit bien de qui il s'agit. Alors, le troisième grand nuisible, oui. C'est un type d'union et saut. Hein? Il est d'union et saut. Oui. Ce monsieur, il est nuisible. Il est dans toutes les communes. Union et saut, c'est pas mal. Ouais, je vous dis que ce monsieur est nuisible. Il a cassé la carrière politique de tous les gens dans l'Union. Ah, c'est celui qui voulait soloniser un artiste. Je vous dis que ce monsieur, s'il part. Attendez, c'est celui qui voulait soloniser un artiste pour le conditionner, c'est ça? Ah oui, il a voulu copier. Ok, d'accord. Oui. Bon, et je vous dis, Quoi? Seigneur. Mais ce monsieur est biaïste. Oui. Mais il joue sur les nerfs du président. Très nuisible. Je vous dis, nuisible. Il va vous nuire aussi. Ils ne peuvent pas. Faites attention. Moi, je suis le fils de Paul Biya. Alors, le dernier grand diablon hypocrite, oui. Il est du MBAM. Hein? Il est du MBAM. Je ne sais personne. Et je vous dis qu'il est du MBAM. C'est qui alors? On ne voit pas. Hypocrite. Oui. Maltraître. Hein? Jongleur, hein? Destructeur de la première heure. Oh. Je vous dis que si le président national laisse le secrétariat en l'état. On n'a pas encore vu de qui s'agit, à donner les indications encore. Ouais. Je vous dis que le gars du MBAM là, oui. Il est sera un expert politologue comme ça. Il n'est pas politologue. Hein? Il a fait le journalisme. Mais on le prend aussi comme expert, parfois comme expert. Oui, parfois. Ah, je vois, j'ai vu. Vous savez, je vous dis, hein, oui. Et malheureusement, ce sont les quatre là qui sont au dernier cercle avec le fils de Louis Jean. Donc c'est un peu qui manipule. Je vous dis que le comité central, ces gens que je vous cite là, oui, ont dérangé Charles Lumba. Oui. Ces gens que je vous suis là ont amené le ministre Sadi. Ces gens, comme je vous dis là, ont pris Kouédé en otage. Mais votre maître politique est bien au courant de ça. Mais ça lui coûte quoi de balayer ce monde-là? Je ne sais pas. Quand vous me demandez ça lui coûte quoi, là, je ne sais pas. Vous savez, moi, j'ai de l'affection pour le président. Oui. Mais il y a mon niveau, oui, d'analyse. Et que par moment, le père nous demande d'être patient.
Mais alors, si vous me posez la question, est-ce qu'il va frapper lui? Moi, je le connais. Je le connais au moins dans cette démarche. Il prend le temps pour frapper. Pour qui il va frapper dans les prochains, dans les prochains mois, quoi. Attendez, même ce c'est qu'après ce conseil de discipline de la honte, ouais, le président va réagir. Si vous avez écouté l'émission depuis le matin, oui, il y a même vos camarades du parti. J'ai un auditeur qui a appelé ici pour dire que la base n'est pas contente de ce qui se passe là-bas. C'est l'implosion. D'ailleurs, lorsque mes amis, oui, membres du gouvernement qui se sont entretenus avec moi, oui, et quelques personnalités pour la chef d'État, m'ont demandé de m'abstenir de, oui, sortir des militants. Parce que j'avais déjà près de 3 000. On vous a demandé de, oui, de calmer le jeu. Oui, parce que c'est pas moi, biaïste, oui, et de surcroît, membre du comité central, oui, qui veut prendre même 1 000 à 3 000 militants qui voulaient accompagner nos camarades à les faire, oui, contester. Parce que ça peut amener d'autres troubles. Mais comment vous allez désactiver? Parce qu'à la base, les gars étaient déjà avec vous. Hein, non, je n'ai pas désactivé. Le président, d'ailleurs, je vais vous dire. Expliquez-leur alors. Je ne vous cache rien, le président. Saisissez donc l'occasion pour expliquer de quoi il s'agit. Dites que je vais vous dire à l'appel que vous avez lancé la dernière fois. Oui, le président national m'a fait parvenir un message. En disant que. Il attend les pétitions. Donc on va signer. C'est-à-dire que vous rédigez par exemple une pétition où vous expliquez le problème. On explique le problème, oui, et je crois qu'il va répondre. Voilà, camarade, donc nous allons faire des pétitions. Mais ne dormez pas, ça doit être rédigé avant la fin du conseil de discipline. Nous sommes déjà. Alors, légal, comment on les rédige pour les camarades qui sont là? Vous prenez soit un président de section, soit un président de comité de base, parce que, ouais, tout ça, ou alors un président de sous-section, ouais, vous remettez vos signatures à l'effet de contester, ouais, le comportement de certains pontes du secrétariat général, et vous envoyez, je vais récupérer tout cela, et je vais porter ça. Les signatures doivent être manuscrites. Oui, hein. Si quelqu'un a peur, ne l'obligez pas. Non. Passez là-dessus. Attention. On veut désormais être courageux. Nous, hein, sommes déjà. Vous savez combien de signatures nous avons déjà? Non. Nous avons déjà 4000 signatures. Waouh. Wow. Quand nous allons sortir, là, 4000. Ouais. Bon, et d'ailleurs, pour pousser le bouchon, nous allons voir aussi, nous ne le faisons pas pour déstabiliser l'État. Ouais. Nous ne le faisons pas pour déstabiliser le président national. Ouais. Mais nous faisons comprendre tout simplement aux uns et aux autres que les gens en ont marre et n'en peuvent plus. Voilà. Je vais faire pitié. Aïe. J'ai dit. J'ai la vessie pleine. Direct du jeudi politique avec notre consultant permanent, le professeur Pascal Charlemagne. Professeur, on est obligé d'y revenir. Hein? Oui. Vous savez,
finalement, je commence à penser que quelque part, même si je ne partage pas sa politique, Kamto peut avoir raison. Il faut résoudre cette affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise anglophone. Il faut résoudre ça. Il ne faut plus qu'on fasse semblant. On doit résoudre ça. Mais on fait comment maintenant? Comment vous voyez ça? Comment on résout ce problème? Comment on réussit à calmer tout le monde? N'oubliez pas que la crise anglophone est l'épine qui est dans le pied du président Bobia. Oui. Rappelez-vous, dans les années 2004, nous avons fait remarquer qu'au Cameroun, il y avait un groupe très dynamique qui s'apprêtait à prendre le pouvoir parce que ces gens, en 2004, le G11, ils avaient compris que dans le contenu de la Constitution du 18 janvier 1996, il était bien marqué limitation du mandat. Le processus historique de construction d'une alternance faussée s'est opéré avec des gens qui ont mis l'ordre des rameaux, d'autres ont mis en place l'ordre des universitaires, certains ont mis en place Eboka, les ordres un peu partout. Ouais. Et je vous assure, Sismondi, le président, les uns et les autres vont réagir. Je vais terminer là. A voulu partir, je vous fais une révélation aujourd'hui deux fois. J'ai la preuve. J'ai la première preuve, ce sont mes échanges personnels lors des audiences spontanées que le président nous a accordées. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent que le président Kolbia pose des actes forts et il pense à partir. Ouais. Et il a donc mis en place la limitation de mandat lorsqu'il a vu se construire devers lui un État dans l'État. Ouais. Je vous assure, les nominations des directeurs généraux, les nominations des ministres, tous les circuits étaient neutralisés. Avec une personnalité bien connue que certains appelaient déjà le futur président. Ouais. Les heures du président étaient comptées. Et je voudrais d'ailleurs vous dire, à cette époque, le ministre Kamto, quelques temps après, en 2008, rappelez-vous, était au gouvernement lorsqu'il y a eu modification de la Constitution, y compris tous les novateurs et les progressistes. Ouais. Personne, je dis bien personne, ne pouvait dire non à la révision constitutionnelle parce que l'État était par terre et les groupes avaient déjà pris cet État. Puisque nous sommes dans le jeudi politique, les premières réunions qui devaient faire partie pour Bia ont entraîné la mort de Maître Mobutu. Ouais. Parce qu'il faut que je vous le révèle. Je me souviens de cette célèbre. Il y a eu, je vous dis, je vous donne le maître Mobutu. Il y a eu une réunion. Où est le lendemain politique au Cameroun? Alors pourquoi Ngongo est tué? Il y a les témoins qui peuvent appeler. Oui. Ngongo est tué parce que il y a une réunion convoquée au domicile d'un ancien ami du président, paix à son âme, M. Omar Damas. D'accord, oui. Alors la réunion de Damas, cette fois, était une réunion extraordinaire qui ne regroupait que les médias. Je vous montre comment, autour de cette première déstabilisation, une réunion, c'est le groupe médias, c'était les médias. Uniquement les médias. Oui, d'accord. Qui sont le plus haut autour de Damas. Oui. Et l'ordre du jour portait sur le départ du président par tous les moyens. Le départ du président bien. Par tous les moyens. Vous savez qu'à l'époque, il arrivait que le président se rende chez son ami Omar Damas. Oui. Bien. Et voyant que le président est ouvert et proche de ses frères, oui, ils ont donc décidé de faire partie pour Bia, alléguant qu'il ne fait plus l'affaire. Il y avait des gens comme les Denis Kali, il y avait des gens comme, je peux vous citer de nombreuses personnalités, oui, qui étaient à cette réunion. Mm-hmm. Et l'ordre du jour était comment Bia doit partir et qui ont choisi. Ils ont donc compris leur choix sur Maître Mobutu. Ils ont dit Ngongo. Le regroupement a choisi Ngongo. Oui, Ngongo, et tu peux faire l'affaire. Oui. Alors, quand Ngongo prend la parole, oui, il faut que je vous dise que la mère du maître Ngongo est une parenté étroite à ma grand-mère. Donc, c'était un grand homme. J'allais chez lui à Mélène. Oui. Son fils Martin est avocat, il peut témoigner. Son fils Henri, Martin, nous écoute. Ngongo, tu lui-même était avocat. Oui, bon, et d'abord, c'est un ancien procureur de la République. Oui. Un ancien.
Il prend la parole, dis-nous. Alors, il prend non la parole. Oui. Il dit vraiment, vous me faites honte. Hein? Oui, il dit ça, c'est vrai, mais dit. Toutes ces personnalités nous écoutent. Il dit à Damas, vraiment, si vous estimez que notre frère travaille mal, plutôt que de croire que le Cameroun est une dynastie qui appartient au métier, réunissons-nous, allons le voir et proposons-lui un cap pour que le Cameroun soit fort. Oh là là. Je ne peux plus rester dans cette réunion. Il a cassé. Je retire, il a claqué la porte. Il a allé dire au président. Alors, suivez forcément le président. La réunion s'est tenue. C'est une réunion qui avait commencé un dimanche. Oui. À 18h-19h, j'avais des oncles à cette réunion. D'accord. Ma propre mère était à cette réunion. Elle a suivi mon mot. Quand il est sorti. Oui, et quelques personnes ont dit que Gongo, tu as raison. Oui. L'État n'appartient pas au petit. Oui. Et rentrer donc chez lui, à Belém. Oui. Vous voyez, après la gendarmerie, vous allez voir un immeuble là pour vous dire où habite Gongo, puisque moi j'y allais. Je connais l'endroit. C'est pratiquement un grand. Je connais très bien l'endroit. Très bien. Oui. Et quand ils arrivent donc à l'endroit, Gongo reste chez lui. Le lendemain matin, sa sœur Valérie vient voir maman en disant que ton oncle a pris un coup de matraque, on l'a trouvé au sol, au salon. Ça veut dire que... Doucement. Il est rentré chez lui vers 19h. Vers 21h. Oui. Et il était seul. Bon, et quand il est chez lui, je vais vous dire, décrire la maison de Mouroudou. Oui. Puisque moi j'y allais. D'accord. Vous avez une première entrée qui est comme une guérite. Vous trouviez son frère, Martin, qui est à l'entrée. Oui. Et quand vous entrez à gauche, il y avait chez lui un petit cousin qui s'appelait Vieux. Oui. Et vous avez donc une porte centrale qui n'ouvre à personne. Oui. Maître Gongo, que moi j'ai bien connu. Oui. Tout jeune, quand j'étais au lycée, le frère, c'est chez lui que je partais, je déjeunais tous les midis. Pour ouvrir cette porte, qui n'ouvrait que lui-même, il fallait quelqu'un que Gongo tout connaisse. Quand tu viens. À qui il avait confiance. À qui il avait confiance. Bon, par contre. Et dans le cas d'espèce, c'est bon, qui. Oui, et écoute, je vais vous dire. D'accord. Et quand vous passez par la porte de derrière, oui. Allant vers la cuisine, oui. Vous trouvez la famille, on vous demande est-ce qu'il vous attend. Il peut vous recevoir comme il peut ne pas vous recevoir. Oui. Bon, or, il s'avère que j'étais des commanditaires qui étaient à cette réunion, qui ont ouvert la porte, qui ont frappé, il a ouvert, et l'ont assommé parce qu'ils avaient peur que Gongo parle au président. Oh, suivez-moi bien. Oh, d'accord. Gongo tout est évacué. Oui. Gongo tout est évacué. Après ce coup de matraque qu'il a reçu à il saignait du nez. Oui. Il avait pratiquement comme si c'était le cerveau, il avait été assommé. Oui. Lorsque le président Paul Biya a su que Gongo tout a été victime de cette affaire, mêlé par les gens qui étaient à cette réunion. Oui. Certains sont aujourd'hui en prison, d'autres sont dehors. Ah, certains sont encore en prison. Mais je vous dis, j'ai des noms, mais c'est une histoire triste. Oui. Le président Paul Biya a demandé qu'on évacue Gongo. Oui. Sa fille, Valérie, oui. À Paris m'appelle. Je suis à Paris. Et c'est nous qui allons vers l'ambulance qui amène Maître Gongo à l'hôpital Pitié Salpêtrière. Oui. Et là, les perfusions, on lui fait un scanner. Et quand nous arrivons à l'hôpital où moi j'étais avec Gongo et avec Hervé Diakolo, le mari de sa fille Valérie, oui. Nous lui disons au revoir, tenez-vous tranquille, la mafia dont les mêmes gens qui l'ont assommé sont revenus à l'hôpital où il était hospitalisé et l'ont assommé là-bas dans la personne qui venait de la visite et Gongo en est. Là c'était mystiquement ou bien... Physiquement. Mais je vous raconte. Vous savez, j'ai des choses. Vous n'avez pas demandé que c'était. Vous n'avez pas dit au personnel que c'était un patient à risque qui. Nous sommes rentrés. Moi, j'étais dans le 14e. Valérie était rentrée. Oui, je dis au moment où vous lui dites au revoir. Oui, il y avait des consignes. Oui, mais nous ne savons pas. Ils sont venus à Chevron Gongo tout à l'hôpital. Incroyable. Parce que l'objectif était que le président Paul Biya ne sache pas. C'est qui s'est passé à la réunion. Oui, que son ami. Omar Damas avait déjà organisé avec quelques petits son départ. C'est moi qui vous dis. Bon, alors Gongo en est mort. Suivez bien. Oui. Mais là, lorsque le corps de Gongo arrive au Cameroun, les mêmes vont dire au président que non, il faudrait qu'on récupère le corps de Gongo, on l'amène à la maison et on l'enterre. Le corps de Gongo est confisqué à l'aéroport. Il ne voulait pas qu'on fasse autopsie, quoi que ce soit. Je vous dis que son corps fut confisqué. D'accord. C'est ma mère.
c'est ma maman, ma propre maman. Et la sœur de Maître Gogo, quelques-uns, qui, ils ont volé le corps de Mogotu et l'ont ramené à l'aéroport à Bénin. À la maison à Bénin. Il y avait une résistance. La police ne voulait pas qu'on prenne le corps de Gogo. Ramené donc à cela, je vous démontre que Paul Biya voulait partir du pouvoir. En 2011, il était sincère. Malheureusement, il y a une criminalité politique qui s'est mise en place avec des hommes, beaucoup sont même encore en place de certains pions, et beaucoup ne comprennent même pas pourquoi certains ont payé aujourd'hui. Malheureusement, les premiers traîtres, vous savez, on a parlé de Bamileke ici, mais les premières personnes qui ont affaibli pour Biya, c'était les métis. Je vous donne encore deux preuves. Après la mort de Gogo, ils se sont organisés pour qu'un autre métier prenne le pouvoir. Ils ne se sont pas fatigués. Deuxième réunion à Paris. Écoutez-moi bien. Je vous révèle quelque chose. Lors de la réunion de Paris, certains étaient même au gouvernement. Je vous dis bien, certains étaient au gouvernement. Ça a contribué à la promotion d'un ancien ministre de la Défense qui est en prison aujourd'hui. Qui peut témoigner? Et on est là dans quelle année, par exemple? Nous sommes en 1997. D'accord. Toujours. Oui. Nous sommes déjà en 97. Oui. Avant, Mogotu, c'était... Mogotu est déjà mort. Mogotu est mort dans les années 94-96. Ok, au donc, début des années 90. C'est ça. Oui. Quand il tue Mogotu, il décide donc de mettre en place une équipe qui va dégager le président Paul Biya. Et il porte cette fois leur choix sous... Non, ils font d'abord une réunion. Oui. Le ministre Mogotu est à l'époque préfet. Oui. Je vous parle d'une histoire que j'ai vécue. Les acteurs sont vivants. Mebe vit encore. Oui. Je suis à l'époque dirigé, ma thèse est dirigée par Philippe de Crène. Oui. Ils ont une réunion à Puto. C'est mon directeur de thèse, conseiller à l'Élysée, qui me fait état de ce que ils ont été contactés avec un groupe de Camerounais qui ont renversé Paul Biya. Je prends mon téléphone. J'appelle le ministre Fabien Nouveau. Fabien Nouveau vit encore. Il est chargé des missions à la présidence. À l'époque. À l'époque. Ouais. C'est moi qui l'appelle. Il me dit qu'il va informer le président. J'appelle ensuite un parent qui me dit, je vais te passer le préfet. Mebengo est préfet de Yaoundé. Mebe peut témoigner. Fonzi. Je rencontre à Mebengo. Mebengo me dit que, est-ce que c'est sûr? Je lui donne la date. Et les acteurs qui étaient à la réunion de Puto, parmi lesquels le ministre Edouard Titus, et quelques-uns, nous leur donnons donc la date d'Edouard qui va démissionner avec quelques ministres à l'élection présidentielle de l'octobre 97. Coïncidence, Edouard rentre, il démissionne. Et Edouard voulait s'appuyer sur la partie. Il les informations, la crédibilité. Mais Ben vit encore. Oui. Et l'élection présidentielle en question. Edouard devait être soutenu par un parti politique qu'on appelle le PAL, le Bédigui. Bédigui, c'est mon cousin. Bédigui vient encore. Et on informe, nous informons le président. Mais entre-temps, n'oubliez pas que tous ces Bédigui que vous voyez avaient d'abord porté leur devenue chez Aïssi Wodo. Vous avez eu des anciens ministres comme Roger Tchoungi qui sont allés vers Aïssi Wodo et bien d'autres par campagne. Malheureusement, le ministre Aïssi n'a pas tenu, il est décédé. Edouard Titus a pris le relais. Biya a dit bien, comme tout ça est en marche, j'ai compris. Ramené donc en 2004, en 2011, il a modifié la constitution à l'effet de reprendre la main. Mais il décide quand même de partir en 2018. Je vous ai dit deux départs. Je vous ai retracé le complot Béti, l'assassinat de Maître Mongo, la candidature d'Aïssi Wodo, la candidature ensuite de Edouard Titus. Paul Biya avait été trahi par les Béti. Qui pensaient que l'État et le pouvoir de Paul Biya, c'est un pouvoir petit. Ils avaient oublié que Paul Biya était d'abord président de tous les Camerounais. On va donc à la deuxième tentative. Le président décide, et ça il faut le dire, Paul Biya décide donc de partir en 2018. Mais il faut vous dire que les relais, Béti, des coalitions se font avec des Bamileke. Je voudrais vous dire que l'un des leaders du MFC, le principal leader, il a été ramené par l'un des membres du G11. C'est eux qui font d'abord de lui doyen, parce que je vous donne le parcours du leader du MFC.
c'est ce monsieur qui a fait de lui doyen. C'est ce monsieur qui propose Kamto au président comme ministre délégué. Kamto que vous voyez là, c'est le même relais que le groupe Eti qui a utilisé Mbambéké pour renverser Paul Biya. Et les actions que mène MRC en relais, certains militants ne le savent pas, à tort ou à raison. C'est une continuité où, en réalité, il veut garantir et montrer qu'il a été le bon choix et il ne peut pas trahir ce qui ont fait de lui, ce qu'il a voulu être président. Pour preuve, une autre preuve, lors de sa campagne, la première réaction, il a dit « Je libère tous ceux qui sont en prison ». Vous vous souvenez? Donc vous comprenez que le complot est gros. Permettez-moi cette expression sale. Il a décidé que s'il prend le pouvoir, les marafas, tout ce monde-là, il les perd et il met balle au centre. C'est le même groupe. Et dans les dynamiques qui incitent au conseil de discipline, vous avez vu que Jean-Jacques Kindi était moderniste. Mila Souté était moderniste. Grégoire Omona était moderniste. Fadi Bayo était moderniste. Ils ont donc mis en place une dynamique à l'effet de séduire le secrétariat général actuel du comité de la présidente de la République, tenter de renverser et de brouiller les pistes. Paul Biya ayant été massivement voté par les nordistes, on a donc inventé une candidature de Bayro Fadi. Le fait de parler de 10 millions de nordistes. Quels sont ceux qui y étaient? Dans la même combine, je crois que vous avez remarqué qu'avant le conseil de discipline, le secrétaire général Jean Côté a proposé au président le retour d'Albert Zongan dans le parti. Vous vous rappelez? C'est Abotabi qui m'appelle. Abodi, jamais. Donc je vous montre une construction. Albert Zongan est avec qui aujourd'hui? Il est avec Kamto. Qui a proposé Albert Zongan pour qu'il aille prendre Bruxelles? Jean Côté. Quand vous ramenez dans le débat plus loin, vous vous rendez compte que le verre est dans les fruits. Parce que Grégoire Onamo, ancien moderniste, Jean-Jacques Kidd, ancien moderniste, Mila Souté, ancien moderniste, faites le lien. Vous allez comprendre politiquement que ce sont ces mêmes gens qui ont ressuscité Jean-Jacques Kidd après avoir insulté le président, après avoir dit qu'il va tuer le lion. C'est ce même groupe qui a demandé à Jean-Jacques Kidd de revenir au RDPC. À quelle heure? Établissez donc le lien. Faites une recomposition historique, structurée. Vous allez voir que ce sont les mêmes qui sont dans l'opposition. On peut prendre les Kindi, on peut prendre les Kamto, et ce sont leurs copains qui sont en prison, qui sont dans le Sénat, et beaucoup sont au secrétariat général. Merci, professeur. Et leur seul objectif, et quand le président a donc vu cela, ils ont été, pour certains, des acteurs de l'ombre de la crise du Nozo. Permettez-moi de vous donner une révélation exclusive. Le président Paul Biya a demandé au service de l'enseignement qu'on exploite les repentis du Nozo. Je vous assure, le secrétaire général, la présidente peut témoigner de ce que j'ai dit. Le directeur du cabinet civil peut témoigner de ce que j'ai dit. La DGSN, le CED, le ministère de la Défense, ces gars ont donné des noms de nombreuses personnalités qui financent la guerre au Nozo. Ce n'est pas une rumeur. Le complot est là. L'objectif central est atteint. Neutraliser Paul Biya, brouiller les pistes. Mais la guerre du Nozo que vous voyez là, parce que c'était en relation avec cela, malheureusement, ils ont dit, pour plomber et finir avec le triomphe Paul Biya, qui parlait toujours de paix, nous allons lui foutre dans le nez le conflit anglophone, et au moins on va le tenir jusqu'à son départ, mais on ne va jamais régler cette crise. Voilà donc la vérité, c'est ce qui a amené Paul Biya, qui est convaincu qu'il ne peut pas partir du pouvoir, ayant pris un pays en paix, sans régler la crise anglophone. Vous comprenez donc le jeu, en pleine turpitude, crise anglophone, déstabilisation à l'Est, Boko Haram qui ressurgit, Madame Florent Ayafo qui est égorgée, ce n'est pas le problème de ce clan transformé en camp politique. Leur objectif est de neutraliser le président à l'effet de le faire sortir. Merci. Par la petite porte. Nous ouvrons le téléphone à présent, il nous restait 30 minutes, on a... Salut, bonsoir.
sans commentaire. Moi, ce que lui dit là, moi je suis l'enfant. Si je vous raconte d'autres qui n'ont pas dit, je vous jure, vous allez vous pendre. Je vous dis la vérité. Et comme je suis l'enfant, j'ai oublié de me taire. C'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que un gars du Septentrion avait trahi le président Amadou Ahidjo? Mon frère, les bandes enregistrées, les audios, vous entendez les voix, vous vous posez la question, mais ce n'est pas la voix de tel ici. C'est pas la voix de tel ici. C'est pas la voix de tel ici. C'est-à-dire, la chair de poule. Je me pose la question de savoir, mais le président fait comment? Il fait comment? Il fait comment? Parce que quand tu suis ça, j'ai seulement ma main comme ça, il dit que c'est pas possible. C'est pour ça que je souhaite que le président de la République donne le pouvoir au Bamileke. Je vous jure, ce que je viens de vous dire au début là, c'est ce qui va se passer. Cocorico va balayer toute l'élite Betty. Ouais. Ce que je vous dis là, c'est ça qui va se passer. Ils l'ont implémenté en Centrafrique. Il dit Cocorico va dire au président, lui qui sera Bamileke, de balayer l'élite Betty. Et du coup, ça permet à Cocorico de reprendre la main. Parce que l'élite Betty, voulant revenir encore aux affaires, vont passer le temps à vouloir déstabiliser le président. Qui sera de l'Ouest. Si le président qui sera de l'Ouest fait 50 ans, ils vont faire 50 ans de déstabilisation comme ça. Tous les accords que le président Biya a passé le temps à annuler, il va re-signer tout. Éternel recommencement. C'est le chemin. C'est le chemin. Je vous rappelle que le MSC a été créé par l'élite Betty. Je répète, le MSC a été créé par, je précise encore, l'élite Betty. C'est pour ça que je parle toujours en vers. Je pose la question avec insistance. Est-ce que une élite du Septentrion avait-il trahi le président Amadou Ahidjo? Tout le monde répond non. C'est une manière de dire la trahison vient de chez nous. La trahison, c'est chez nous.
Mon père me dit ceci. Mon père me dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. C'est que si tu vois un homme à qui fait un coup d'état une fois, ça ne marche pas. On fait un coup d'état deux fois, ça ne marche pas. C'est que ce monsieur, Dieu est avec lui. Mon père me dit, le premier coup d'état allait se passer au lac. Au lac municipal de Yaoundé. Il n'est pas parti. S'il partait, il n'allait plus être président. Écoutez vous-même. Il ne faut pas que je parle. Je mets l'image. Vous écoutez vous-même. Ce qu'il lui-même, comment il dit? Parce qu'aujourd'hui, on dit Kamto, Kamto, Kamto. Cette élite bêtise qui a fabriqué le MSC sont là cachés. Ils font comme s'ils ne connaissent pas. Écoutez bien. Réussit l'espoir. Les gens de la troisième mi-temps et ceux qui disaient non. Dites que bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame. Écoutez bien. Permettez que je dise bonjour. C'est une élite bêtise qui parle. Il s'appelle Hubert Ateba. Je suis ravi. Voilà. Alors il y a quelques semaines, je vous aurais peut-être présenté comme un militant du MRC, mais vous avez récemment démissionné alors que se tenait le congrès de ce parti. Peut-on savoir les raisons de votre démission et surtout le moment choisi, je veux dire au moment où le MRC tenait son congrès, au moment clé dans la vie politique de ce parti, et vous avez justement choisi de le faire à travers les réseaux sociaux, si je ne m'abuse? Non, je crois que ma démission a été déjà boycottée. Vous savez, le sujet tout à l'heure me passionne beaucoup, dans la mesure où vous, les communicateurs, quand vous voulez saboter, vous le faites, et vous n'allez pas les mains mortes. Il y a une chaîne de télévision concurrente à vous, s'est proposée de traiter cette actualité-là, la chaîne qui a été dénoncée tout à l'heure, et ils ont fait au journal exprès pour saboter l'élément et même le reportage. Il ne m'est resté plus qu'à publier un communiqué sur les réseaux sociaux qui, fort heureusement, a été relayé. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie interne du MRC. Vous non, que si vous deviez démissionner, c'était peut-être auprès des hautes instances. Je ne sais pas comment ça marche dans votre... Ah, heureusement que vous ne savez pas, donc il ne faut pas spéculer. Et je voudrais dire que lorsque vous voulez démissionner, vous informez qui le droit, comme vous voulez, à les canons qui vous sied. Et à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez... vous n'êtes pas sûr que je n'ai pas... notifié qui de droit. Quand je dis qui de droit, c'est qui de droit. Et il me suffit d'aller pour le parti politique déposer une lettre au ministère de l'administration territoriale, c'est suffisant. Je voulais dire que j'ai suffisamment parlé pour des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé. Pendant que M. Maurice Kamto se la collait toujours au gouvernement, nous travaillions. Je voulais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Les réseaux sociaux qui, écoutez bien, ont été relayées. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie interne du MRC. Vous ne dites pas si vous deviez démissionner, c'était peut-être auprès des hautes instances. Je ne sais pas comment ça marche dans votre... Ah, heureusement que vous ne savez pas, donc il ne faut pas spéculer. Et je voudrais dire que lorsque vous voulez démissionner, vous informez qui le droit, comme vous voulez, à les canons qui vous sied. Et à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez, vous n'êtes pas sûr que je n'ai pas notifié qui le droit. Quand je dis qui le droit, c'est qui le droit.
Il me suffit d'aller pour le parti politique déposer une lettre au ministère de l'administration territoriale, c'est suffisant. Je voulais dire que j'ai suffisamment parlé pour les raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que, je voulais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Kamto se l'appelait toujours au gouvernement. Nous travaillions. Je voulais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Moudi allait faire le hold-up électoral, il y avait ceux qui avaient sollicité une troisième mi-temps à la rue et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Je ne vous apprends rien en évoquant des organisations comme Freedom House qui ont donné de l'argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer le soulèvement au Cameroun avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'exploit. Les gens de la troisième mi-temps et ceux qui disaient non, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose, on s'est accordé à créer un mouvement politique. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout l'environnement politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté, du moins ceux qui sont dans ce parti-là et qui pensent progressistes. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis. Monsieur Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose. Mathias Eric Owonagini, Claude Abbé, Stéphane Akoua, pour ne citer que ça. Donc c'était une mouvance. Sauf qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Sur deux points au moins. Nous décidons de façon réflexe, d'ailleurs, c'est Monsieur Fabien Sigana qui propose Maurice Kamto. Et nous acceptons à la convention qui a eu un embouchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Godot, que moi je cite les comptes à fond, hein. M. Alain Foguet, lui, il avait un calendrier dans le sac. À savoir, il voulait faire de Maurice Kamto celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Kamto, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être, d'ailleurs, la preuve, l'actualité. Il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis, au point où il y avait au moins trois agendas. Un agenda de ceux qui pensent que les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là. Très vite, après la mort d'un général qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Kamto. Le général, c'est le général Mambou. Donc pour de vrai. Et M. Maurice Kamto, qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qui pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour exemple que pendant que j'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui, pour les élections législatives de 2013, c'est Maurice Kamto qui combat ma liste, étant secrétaire national dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture. Pour que j'ai un dossier déposé, il a fallu que son actuel vice-président, Maître Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est grâce à ce que vous dites. Mais moi, je le dis, je le mets à défi de dire, je cite mes noms, je vous dis. Et Maître Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Kamto pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à l'ECAM, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipule les médias et les institutions, eux aussi le font. Et l'ECAM rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer, parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre, sur une liste de six noms. Il y avait deux femmes.
ou je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, là je vais être un peu grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les quatre hommes, enfin, que les deux femmes avaient les couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. Monsieur Maurice Kamto, ça veut dire à délibérer, on passe à autre chose. Il demandait la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre, alors que le dossier a délibéré. Il est quand même un éminent juriste qui sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminant ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais fait contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours qu'il a porté contre les listes? Mais vous avez laissé que 5 années encore, c'est cool, on est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Kamto et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint, les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours, tous les membres. Ils doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas... Bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais. C'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Moutier, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Kamto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables. Tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en bourse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, Pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Kamto leur doit des choses et qu'ils doivent tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Bobby et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers. Puisque nous avons été là. Je voulais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devions créer le MRC, j'ai risqué ma vie. Parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un abcès appendiculaire. J'y ai eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermé au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, c'est pas une blague. Voilà donc les kidames qui, un beau matin, vous disent que vous êtes le pion de M. Biard, comme si M. Biard avait besoin du pion. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez gagner l'élection, M. Biard décide de ce qu'on va lire. D'ailleurs, en 92, dit pas d'abord, il a dit, on m'a dit de dire. Et il a donc besoin d'avoir des pions. Merci M. Franck-Hubert d'être avec nous ce dimanche. Le dernier panéliste est Zabi. C'était juste pour confirmer que c'est l'élite bêtise qui crée le MRC. Vous savez, justement, quand je suis mes grands frères, c'est ces élites-là. C'est que
quand ils posent les actes, ça c'est une particularité. Quand tu suis un gars du Nord, il pose un acte. Quand un gars du Nord pose un acte ici, tu viens pour vérifier, il est parti. En fait, il fait semblant de partir. Il se met à l'angle droit pour voir qui va venir. Mes frères, j'ai fait 25 ans au Cameroun. Tous les soirs, aller prendre les cours de géopolitique. 25 ans. Quand un gars du Nord pose un acte, tu viens suivre, pensant qu'il est parti, alors qu'il a l'angle gauche. Quand tu viens, tu poses la main dessus, tu entends derrière toi. C'est quoi? Quand un gars bêtis, ça veut dire centre, sud, il laisse, pose un acte, il quitte, il part. Quand tu viens, tu peux même creuser, prendre même ce qu'il a mis là-bas, tu pars. Donc, c'est caractéristique à tous les élites du centre, sud et l'est. C'est que quand ils sont ensemble avec les autres élites, les autres les élites posent les actes, mais ils restent à Calife Fouchon. Est-ce que vous me suivez? Mais l'élite Béti pose les actes avec les deux pieds dedans. On n'a jamais compris ça. Mais les gens, ils ne savent pas que quand ils passent, les gens ne suivent pas derrière. Je dis que les deux pieds dedans. Quand tu viens derrière, tu trouves la sincérité, tu creuses, tu portes, tu pars avec. Moi, je dis une fois de plus. Le président Biya, il est venu pour libérer le Cameroun. Il a une mission. Il a une mission divine. Premier coup d'État, oh là, ça a échoué. Deuxième coup d'État, 6 avril 84. Vous pouvez imaginer depuis ces deux coups d'État qui ont échoué là, ce qu'il a enduré, on a même mis dans un avion corbillard, lui, sa femme, ses enfants, on a mis dans un avion corbillard. Quand l'avion a décollé de Yaoundé et Simalen, l'élite Béti a fait comme ça. Enfin, il est parti. Ils étaient sûrs que l'avion n'allait pas arriver à Paris. Et quand l'avion décollait sur le tarmac de l'aéroport de Ismaël, ils étaient sûrs que comme il part là, c'est fini. Dieu. Tu ne peux que dire que Dieu a fait que l'avion est arrivé à Paris. Jusqu'à là, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute. Quand j'ai dit au président de la République, Excellence, demandez que chaque fonctionnaire contractuel d'administration, agent de l'État, apporte l'original de son diplôme. Excellence, je vous dis, la fonction publique camerounaise est à 350 000 ouvriers employés. Ils vont rester 150 000. Vous allez vous rendre compte que toute cette bande de mafias sont à 99% des faussaires et des faux diplômes.
Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que tous ces gens qui vous dérangent sont dans le réseau de faux diplômes. Donc, vous n'aurez même pas à vous gêner. C'est la loi qui va les neutraliser. Parce qu'ils n'ont jamais compris que le pouvoir au Cameroun, c'est Dieu qui donne. Ils sont allés au Cameroun. Ouais, il faut que je lise ça. Ils sont allés à Paris. 15 personnes. 15. Ils sont allés à Paris. 15 personnes. 15. Je vous lis le nom. Ils étaient 15. Mais il y avait 6 bêtises. Simba Mileke, deux doigts là. Un Bassa. Un Fulbe. Je vais vous lire les noms. C'est très important. Il faut comprendre. Parce qu'il faut tout, il faut comprendre, il faut. Comment est-ce que vous allez m'expliquer? Ils sont 15 personnes. 6 bêtis, 5 bamileke, 2 douala, 1 bassa, 1 foubé. Si on enlève un bêti, mais automatiquement, on doit remplacer le bêti par un bêti. Comment ça s'est passé qu'on enlève un bêti, on remplace le bêti par un foubé, sans que les autres 5 bêtis ne disent que non, c'était pour nous. Si un bêti n'est pas là, nous sommes là. André Marie Bida, il était à Paris. Chala Assale, il était à Paris. Bessa La Valère, il était à Paris. Okala Charles, il était à Paris. Akono Akamba Ibrahima, il était à Paris. Mbida Etienne, il était à Paris. La question que je vais vous poser, les noms que je viens de citer là, est-ce que vous entendez encore les enfants de ces gens disparus de la circulation? Maintenant, je vais prendre le nom de Mbameliki. Saint. Ndoumessi Mathias, Kimanjou Daniel, Tawamba Dagobert, Montepol, Tumbanwanke Isaac, les cinq Bamileke que je viens de donner les noms là. Est-ce que vous ne suivez pas les enfants qui montent dans? Les enfants sont encore plus puissants que les pères. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire la théorie que je viens de vous dire tout à l'heure. Que quand l'élite du centre ici et l'Est pose un acte, il part. Il oublie le derrière. Que quelqu'un peut venir regarder l'acte qu'il a posé, il porte ça, il met à l'épaule, il part. Où sont les enfants de Mbida? Mbida Etienne, Azali. L'autre. Ils sont où?
Mais ça, la valeur, ils sont où? Akona Akamba, ils sont où? Les cinq noms des gens de l'Ouest, leurs enfants sont là. Ils sont puissants. Eh oui. Deux doigts là. Les deux doigts là. Alexandre Douala Mangabel, père à son nom, celui qui est décédé là, le chef. Bébé Idi, deux. Mbassa, Manden Eno, disparu. Mfoulbe, Amadou Babatoura Aïdjo, celui qui remplaça André Marie Mbida. Sans que les cinq bêtises disent que non, c'est notre pouvoir. Parmi les six noms que je viens de vous lire là, il n'y a que les enfants d'Okala qu'on essaie encore de voir. Il n'y a que les enfants d'Okala qu'on essaie de voir. Celle qui est sénatrice là, l'autre qui est gouverneur. Mes frères, la réalité, c'est ça que vous voyez. Ne vous étonnez pas quand vous voyez. Je vous ai dit la dernière fois que les églises, c'est de la géopolitique. La religion, c'est de la géopolitique. Je vais vous démontrer ça. Regardez avec quelle intelligence mes beaux-frères utilisent la religion. Ils font de la géopolitique avec la religion. Ils prennent des positions avec les rudens. Guy Parfait Songa est où? Qui peut me dire là où Guy Parfait Songa est où? Qui peut me dire là où Guy Parfait Songa est? Je veux commencer par là pour vous dire quelque chose. Qui peut me dire là où Guy Parfait Songa est? Disparu de la circulation. Mais pour vous, il a disparu de la circulation pour rien. Ok, je veux donc vous expliquer comment on a préparé, on a conçu sa disparition. Parce qu'avec nous là, si vous ne voulez pas qu'on sache, ne posez pas d'acte. Parce que si tu poses seulement l'acte et que je vois, je connais que l'acte, je connais la conséquence de ça. Qu'est-ce qui se passe? Guy Parfait Songa est le premier à commencer à parler de développement personnel, le coaching, le machin. Il monte. Le réseau qu'il a fabriqué. Écoutez-moi bien. Le réseau qu'il a fabriqué prouve que, mais non, c'est un bassard. Comme c'est un bassard, il ne s'en fait pas l'affaire. Il n'est pas tenable. Il faut qu'on les jette. Écoutez-moi ce que ça vient de vous dire. On commence à lui nuire à l'université. On lui dit, donne-nous ta licence. Il a le doctorat. On lui dit, donne-nous ta licence. Il dit, parce qu'il connaissait bien qu'il n'avait pas obtenu la licence, il a fait ce que tous ces gens font à l'université, le wassa wassa, ça a permis qu'il traverse. Mais comme ce réseau connaissait, il a dit apporte-nous ta licence. Il n'est pas venu avec la licence, on a suspendu son salaire. Mais comme il avait d'autres activités, développement personnel, coaching, tous ces machins,
Il a commencé à écrire ses livres, il a commencé à... On dit, mais non, il a toujours la parole. C'est pas bon. Là, ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de monter le peuple, il risquera de nuire quand on va vouloir passer à l'acte. Alors, on active le réseau aux États-Unis d'Amérique. On l'invite aux États-Unis d'Amérique avec pour but de le piéger et de salir son image. Quand on l'a invité aux États-Unis d'Amérique, après son retour, qu'est-ce qui s'est passé après? Le sabotage de ça. Canal 2. Afrique Info. Equinox. Sabotage général. C'est comme ça que Guy Parfait Songhai, du soleil brillant, s'est retrouvé dans les oubliettes. Maintenant, aujourd'hui au Cameroun, les qui contrôlent le secteur de développement personnel et coaching, 95% sont devenus mes beaux-frères. C'est eux qui ont récupéré ce que dit Parfait Songhai a implémenté. C'est eux qui ont récupéré. Ils ont récupéré coaching, développement personnel, tout ça. C'est eux. 95%, c'est eux qui sont les maîtres absolus aujourd'hui au Cameroun. Les gars sont forts. Je continue. C'est parce que quand vous voyez quelque chose, vous voyez ça. Moi, quand je vois un acte au Cameroun, un petit acte, il ne faut pas que je voie. Parce que ça se répète. Tout a été bien fait. Donc, ce que vous allez faire là, on a déjà fait ça ailleurs. On a déjà implémenté, même fait. Dès que tu poses ça, pas qu'on voit. Ok, il a fait que. Résultat de course. Quand vous observez le Cameroun d'aujourd'hui, les gens blaguent, les gens s'amusent. Vous ne pouvez pas trahir quelqu'un qui ne vous a jamais demandé à être président de la République. C'est M. Amadou Ahidjo qui le choisit. Il lui remet le pouvoir. Ouais, mais tonton, laissez qu'il passe le temps qu'il doit passer. Il partira. Vous allez rester vendre le pays comme vous voulez. Mais il sera déjà parti. Les jeunes, je pleure les jeunes qui ont 20 ans. Parce qu'ils vont pleurer le président Biya. Non, parce que nous, on sera déjà vieux. Nous, on sera avec les cannes. Marchant comme ça. C'est les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui là. Parce que quand ils auront 50 ans, ils auront vu comment le président Biya a bagarré. Et ils vont voir ce qui va rester après lui. Comment les gens sont en train de faire le sangate. C'est ce qu'on est en train de faire là. Les gens décident que, parce que nous avons beaucoup volé, nous voulons détruire le pays. Nous voulons détruire le pays parce que nous avons volé. Et les gars sont sérieux dans leur dynamique. Ils sont sérieux. Quand vous voyez les églises de réveil au Cameroun, 99,9% des églises de réveil au Cameroun sont contrôlées par le lobby de l'Ouest. Je suis désolé. Ça nous avait attiré. Je suis allé un jour à Bafia.
je suis allé voir un ami dans un village à Bafia qu'on appelle Niamson. Loin, en brousse. J'arrive là-bas, je vois vraie église de Dieu. Je m'arrête. Il y a la vraie église de Dieu. Donc, ce n'est qu'ici qu'il a vu pour venir s'installer. J'arrive chez le gars. Il passe le temps qu'il devait passer. Le retour, le gars vient m'accompagner. On marche avant que je... On marche. On arrive à l'église. Je dis, arrête-toi. T'as vu l'église là? Qu'est-ce que l'église vient faire en pleine forêt? Il me dit que le dimanche là, hein, les gens quittent même la ville. Hein, que, ah, les gens quittent le centre pour venir ici. Qui a vendu le terrain à l'église? Il me dit que c'est le père qui est là en haut. Allons voir le père. On monte sur le père qui avait vendu le terrain pour construire l'église, la vraie église de Dieu. Montons pas voir le père. Il parle le père en Bafia. Tata, wa force, ça veut dire, papa, si ça va, il me dit oui. Ouais, quand papa, il me dit, c'est toi qui as vendu le père là, le monsieur là, le terrain pour l'église. Le père me dit, Manuel, quand il m'a déjà enfermé, mon fils, j'avais demandé de donner un petit endroit comme ça. Mais maintenant, je trouve seulement qu'il a déjà, c'est beaucoup comme ça, je comprends même pas. En pleine forêt. Que je comprends pas. Putain, je lui ai donné un petit truc comme ça, il me disait seulement que c'est pour l'église. Maintenant, je ne peux même plus aller là, j'ai ma plantation qui est derrière. J'apprends seulement que j'avais vendu la plantation. C'est moi qui suis parti en ville. En ville. Prendre un huissier. Payer avec mon agent. Aller lui donner le pasteur à l'assommation. Que tout ce que tu as pu tuer, tu remets. Quand je pars à Bafia, il a peur de moi comme la tête du serpent. Il me connaît bien. Mais quand je vois des gens, qui vous a dit que les églises de réveil sont là pour prier? Alléluia, alléluia. C'est ça, alléluia. Les églises de réveil ont pour but 1. Endormir votre esprit. Arracher ce que vous avez, y compris vos terres. Mais comme vous ne connaissez pas que les peuples de la forêt ne savent pas que leur seul bien qu'ils doivent garder avec jalousie, c'est la terre. C'est la terre. Mais comme ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ça. C'est quelque chose que leurs parents ont. C'est leurs parents. C'est la même chose. Quand tu nais, tu trouves de l'abondance, tes parents ne t'enseignent pas la rigueur dans la vie. On te déroule le tapis. C'est la première leçon que moi j'applique. Dès que mon fils... J'ai un fils qui est déjà grand. Dès qu'il a atteint 17 ans, j'ai dit que mon ami, tu t'achètes plus rien. Et papa, pourquoi? T'achètes pas. Parce que tu vas devenir un paresseux. Pour que j'achète, tu me dis, papa, complètement. Cherche pas à savoir. Il vient, comme il est en train de venir là. Même traitement ici, je vais l'appliquer. Parce que dès que tu lui déroules le tapis, la vie est facile.
Et c'est ça que vous voyez, les enfants de la forêt payent le prix aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé leurs parents ont eu beaucoup de terres. Ils s'en fichent. Ils ne savent pas que 10, ils ne savent pas que l'an 3000 arrivera. L'an 3000 arrivera. Ça trouvera d'autres personnes. Mais le rapport de force qui est aujourd'hui que nous on a les terres changera. Toutes ces terres vont appartenir à mes beaux-frères. En l'an 3000, je verrai ce qu'ils vont faire, les autres là. C'est la même chose. Allô? Oui. Ok. Vas-y. Ok. Je voudrais d'abord, je suis Jean Samba, j'appelle du Canada. Je voudrais d'abord saluer tout le monde qui est là, en remerciant tout le monde d'être là. Nous sommes un petit peu dans une école où nous instruisons les uns les autres. Le sujet que tu abordes là est d'une importance capitale. Moi, j'entends toujours nous dire que quand on empêche les gens de vendre le terrain, les gens qui n'ont pas de travail, comment ils vont faire pour vivre? Nos parents qui ont gardé, nos grands-parents, nos ancêtres qui ont gardé ce terrain-là, eux, ils faisaient comment pour vivre? Mais bien sûr, non, ils faisaient comment pour vivre? Ceux qui ont gardé ce terrain, eux, ils faisaient comment pour vivre? Je voudrais dire que ce phénomène dont tu parles là, tu parlais des églises, du réveil et tout ça. S'il y a des gens qui sont de la région du sud, je vais prendre particulièrement la route parce que je l'ai fait une fois, deux fois, et j'ai remarqué ça. Quand tu parles de Gribi, en passant par Bipindi, jusqu'à Mbengue, en passant par Lulledorf, tu vas te rendre compte que tous les petits villages qui sont dans la région là ont des toutes petites églises. Ça veut dire qu'il y a des églises comme par exemple ce que tu appelles Jésus sauve et guérit là, et bien d'autres, apostoliques, néo-apostoliques et toutes ces affaires là, se sont installées. Ce sont les achats de terres. Mais on ne dit pas. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que vous voyez apparaître quelqu'un qui se fait appeler pasteur, qui arrive, il vient s'installer, il vous dit, il vous montre des images, tout, il dit que voilà, il est de l'église, il y a des populations et tout ça qui vont venir apporter des projets pour soutenir les populations et tout, et tout, et tout. Il faut construire une église, on leur donne des terres. On leur donne un petit le point de terre. Monsieur construit une toute petite église qui ne prend même pas 50 personnes. En fait, monsieur est en train de faire une mise en valeur d'une terre. Monsieur est en train de faire une mise en valeur d'une terre parce que monsieur, après, va demander à faire un titre foncier. Les populations vont lui donner un petit espace à côté pour construire une bâtisse, une petite case pour le catéchisme. Ensuite, quelque part à côté, on va donner un petit espace pour faire un champ. Le catéchisme sera peut-être du village, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le fameux pasteur qui a cette petite aiguille va établir un site foncier en son propre nom et non au nom de l'aiguille. Ça va se multiplier comme ça de village en village, de village en village, de village en village. L'église va avoir quelques fidèles. Ils vont initier des chants communautaires. Ces chants communautaires là vont être les chants qui appartiennent à l'église. Monsieur va faire des petites fonctions plus tard. Des années plus tard, quand ce monsieur sera peut-être décidé, peut-être qu'il sera parti
il va abandonner ça comme ça. Vous allez venir vous installer dans des champs et tout. Peut-être 10 ans, 15 ans après, on va venir vous présenter un titre foncier qui a été fait il y a quelques années et il n'y a pas eu l'opposition. Et puis, des générations en génération, leurs héritiers, leurs ayants droit ont bénéficié des terres sur des longues lignes de villages. Ces gens-là savaient déjà qu'il y aurait un projet de route bitumée sur cette axe-là. Je dis aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent de faire appel à tous leurs frères et soeurs, à leurs parents dans les villages pour que cela fasse. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une si grosse arnaque. Regardez même l'Église catholique. L'Église catholique a des terres partout dans la région Écan. C'est terrible. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous nous mettre au travail pour sensibiliser nos frères et sœurs, pour sensibiliser nos parents dans les villages. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Zidazie. N'importe qui se présente dans les villages avec n'importe quoi comme église, on leur donne des terres, ils investissent dessus parce qu'ils veulent en fait avoir des terres en leur nom. Donc, ce que tu es en train de dire est très pertinent. Je voulais juste faire ce petit témoignage pour dire que on voit apparaître des toutes petites églises dans tous les villages. Tu vas voir des petites églises, en fait, ces petites églises ne servent que pour justifier de la mise en valeur d'une terre. Qu'on ne laisse plus faire ça. Voilà. Ok, merci. C'est de la géopolitique. On vous met un paravent devant, c'est la religion. On vient dans le village, on prend un enfant du village, on dit qu'il a accepté Dieu. On lui donne, on l'entretient, on essaie de changer sa vie. On le sort même du village. On attire les gens dans l'église, on dit que l'église ici, c'est l'église ici qui a changé la vie de tel. C'est comme ça qu'on déroule le coup. Qui se rappelle d'un prêtre à l'Ouest Cameroun qui enterrait un jeune? Qui peut encore avoir la vidéo là? C'était un prêtre qui était en train de célébrer une messe dans l'état d'un enterrement à l'Ouest. Il disait que les gens sont assis à Yaoundé, ils mangent leur argent et... Je ne sais pas qui peut encore avoir cette vidéo. Qui peut encore avoir cette vidéo? Oui, allô? Ouais. Ok. Vas-y. Ok, c'est Quinette qui appelle. Juste pour dire... Quinette, attends d'abord. J'avais dit au Douala, je le redis encore, sortez de l'église évangélique du Cameroun. Récupérez l'église de votre église baptiste de l'Otina Samé. Je le dis chaque fois. Un jour, vous allez comprendre que le Bafiasi. Je veux que vous dites, récupérez votre église baptiste de l'Otina. Sortez dans l'église évangélique du Cameroun. Je ne peux pas tout dire dans le direct. Mais un jour, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Vas-y, Pinette. Ok, merci. Et merci encore pour ces conseils. Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas que l'on perde de vue tout ce que le prof nous dit tout le temps par rapport aux techniques coloniales. Il me souvient qu'un critique, je ne me souviens plus duquel, africain, je ne sais pas si c'est Desmond Tutu ou un autre, qui a dit que lorsque les colons ou alors les missionnaires ou je ne sais pas qui arrivaient en Afrique, nous avions les terres, ils avaient la Bible.
Et lorsque nous avons fermé les yeux et nous avons prié, quand on a rouvert les yeux, ils avaient nos terres, on avait leur Bible. Et je crois que lorsque ça a commencé, les églises réveillées n'existaient pas encore. Le mouvement d'église de réveil ne date de quelques années. Je peux faire l'histoire et voir. Avant ça, il y a d'autres églises qui se sont installées. Il y a des catholiques, des protestants, des musulmans et tout. Et ils ont arraché les terres. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que essayons au moins de faire... Il faut qu'on essaie... Lorsqu'on parle d'un phénomène, parlons de ce phénomène dans tous les sens. N'indexons pas particulièrement un genre religieux parce que les catholiques sont dedans. Je ne sais pas trop quoi sont dedans. Il faut juste que maintenant les Africains apprennent à ouvrir les yeux. C'est ce que moi je dis souvent. Lorsque tu pries, parce que moi je respecte la foi de chacun. Certains croient en Dieu, certains ne croient pas en Dieu. Moi je crois en Dieu. Et moi je prie. Et moi je fais partie d'une église de réveil. Mais je ne me fais pas prendre. Donc il faut prier avec les yeux ouverts, ce que je dis souvent, parce que le colon, quand tu dis ces mêmes tactiques, il n'a pas changé. Il vient, il utilise qui il utilise. Et puis maintenant au Cameroun, nous savons qui sont les autres personnes qui travaillent avec les colons. Donc soyons juste éduqués, soyons sages dans ce que nous faisons. Nous n'allons pas interdire les gens d'adorer leur Dieu comme ils le comprennent. Mais soyons juste éduqués et ne nous faisons pas utiliser par les doctrines, par les gens qui manipulent la doctrine pour soutirer les terres des gens. Par des gens qui font ceci pour faire du mal à ceci parce que Dieu n'a rien à voir avec ça. Ils utilisent le nom de Dieu, mais ils font du mal à la population. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, je continue de vous écouter. Ok, merci. Retenez une seule chose. C'est que quand vous ne comprenez pas la géopolitique, on va vous rouler. Les Douala avaient leur église, l'église baptiste de l'Otchinasame. On est venu leur dire, vraiment, vous voyez, il faut que vraiment on soit ensemble, on va être avec l'église évangélique du Cameroun. Ah, Anyamba, la géopolitique des religions. Je dis, ah, les Douala, je redis encore. Sortez de l'église évangélique du Cameroun. C'est moi qui vous dis. Mais vous allez sortir quand il se fera trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Récupérez votre église baptiste. Parce que dans votre église baptiste, vous serez capable de passer vos messages du Ngondo. Ça reste que entre vous. C'est ça qui est question. Si vous restez à l'église, un peu cela. Vos propres enfants, voilà ce qui va vous arriver. Vos propres enfants, je dis bien, vos propres enfants vont aller faire un mariage incestueux avec d'autres communautés pour vous neutraliser à l'intérieur de l'église évangélique du Cameroun. C'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Les gens vous donnent leurs paroles. Ils sont incapables de respecter ces paroles. Ils vous donnent les paroles, ils sont incapables de respecter. Et en passant, je suis en train d'écrire les statuts de notre coopérative. J'ai fini d'écrire, je vais partager à tout le monde dans le forum WhatsApp. Je vais partager à tout le monde. Chacun va lire, va émettre ses remarques. Je vais même parfois ajouter quelque chose que moi j'ai pas pu mettre. Et après, vous allez me renvoyer avec les remarques que vous avez faites. Ça concerne tous ceux qui sont dans le forum WhatsApp. Et après, quand tout le monde aurait... Parce qu'il faut que les gens sachent dans quoi on s'embarque, qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce qu'il aura. Vous voyez un peu.
Ah, maintenant, on va maintenant faire ce qu'on appelle l'Assemblée générale constitutive. Ça sera virtuel. Parce que pour légaliser ça au pays, il va falloir certaines choses. D'après le règlement, hein, d'après la loi, il va falloir beaucoup de choses pour faire de connaître ça au pays. Donc, il faut qu'on aille. J'ai déjà trop attendu. Moi-même, je vais écrire ça. Je vais vous proposer. Vous allez regarder. J'ai déjà commencé à écrire. Donc, dès que j'ai fini, parce que j'ai téléchargé les textes de loi sur les coopératives. Donc, j'ai fait les statuts. En même temps, les statuts et le règlement intérieur. Je vais vous proposer ça. Et vous allez lire et faire des notifications. On va revenir. On va faire des modifications et on lance l'Assemblée générale constitutive. Parce qu'il faut, pour légaliser ça, il faut connaître ces documents, les noms des membres, les villes, résidences, fonctions, tout ceci. Donc, tout ça, je vais vous donner ça. Tous ceux qui sont membres du forum WhatsApp. Donc, je vais vous partager ça. Peut-être si Dieu bénit. Je peux finir ça ce vendredi. Parce qu'aujourd'hui, dès que j'ai fini le direct, je continue à écrire. Retenez ceci. Le président Biya, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mon père me l'a dit. Et moi, quand mon père me dit quelque chose, m'a jamais menti jusqu'à ce qu'il est mort. Tout ce que mon père m'a dit, m'a jamais menti. Quand tu viens, il s'était changé de sujet. Amis, voyez-vous, le gars va dans la vallée du Ntem. Moi, vendre le terrain à un gars de l'Ouest pour construire sa maison, c'est pas un problème. Mais utiliser la ruse, la tromperie, c'est pas bien. Je veux voir les Denis Kwebo. Vous vous rappelez que mes beaux frères sont bien au Cameroun quand ils sont au milieu, au centre, au littoral. Ne jamais laisser que mes beaux frères restent dans les frontières. Vous êtes morts. Parce que quand tu vis avec les champs, tu dois les connaître. Quand tu vois les gens, tu dois les connaître. Mes beaux frères ne sont pas bien qu'ils restent dans les frontières. Ils restent dans les frontières, vous aurez trop de problèmes. Je dis trop de problèmes. Ils sont bien de rester à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bolova, Samblima, Ambam. Non. Gari Gombo, Garabulai, Kousseri, sont pas bien qu'ils restent à la frontière. Pas n'importe quelle frontière. Parce que la frontière de Kousseri, là-bas, ils ne peuvent pas. Là-bas, les gens du Septentrion sont vigilants avec l'histoire des terres. Parce que dans le Septentrion, la terre appartient au Lamido. Or, nous, dans la forêt,
On a hérité des terres, on s'en fout. On s'en fout, donc on néglige. Oui, allô? Oui. Ok. Vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir et... Enfin bonsoir, parce que il faut dire que nous sommes contents. Moi je suis content d'être là parce que aujourd'hui on a appris beaucoup de choses et on a appris beaucoup de choses derrière Abdel. Donc je dis merci Abdel et merci à tout le monde et à tous ceux qui ont intervenu. Je voulais juste poser une petite question parce que parfois quand l'école devient compliquée, on est obligé de poser des questions. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé du groupe. Moi, je suis sorti du groupe voisin parce que tu avais dit que les Bamileke seront là bien. Tu es mon frère, hein? Nous sommes du centre. Ouais. Donc, je suis là, je viens te regarder. Quand il y a les trucs, je serai là, je vais agir. Mais j'ai dit que, comme c'est qu'on avait les Bamileke, ce n'est pas qu'elles détestent les Bamileke. Donc, j'ai seulement dit que quand ils font leur lac, moi, je ne suis pas là-bas. Ouais. On se retrouve aussi dans la forêt. Moi, j'ai besoin d'être avec mes frères en famille. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je suis sorti du groupe voisin. Mais je suis derrière toi et les projets. Tout, je serai là, il n'y a pas de souci. Tu as Samba a appelé là pour les églises et tout. Vous avez été d'accord que bon, les gars sont en train d'entrer chez nous. On a déjà subi cette razzia là depuis parce que bon, moi je suis de Métette au carrefour là. Nous on n'a plus où construire à Métette parce que l'église a tout pris. Il y a l'EPC qui a pris à droite quand on va à Saint-Mélima. Il y a l'EPCO qui a pris de l'autre côté. On n'a vraiment plus d'espace à Métette là. Pour construire même les bureaux là, la mairie là, on était obligé de traverser la rivière, aller dans le village voisin, c'est là où il y a la mairie de Métette. J'ai fait l'internat d'Akono. À Akono, la ville est divisée en deux. L'église catholique a tout pris, donc tout ça là, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui là, on a les églises réveillées qui veulent encore entrer. Bon, il n'y en a pas chez moi parce que moi je ne pourrais pas accepter ça. Mais tel que Jacques Samba a expliqué là, dans les forêts, tout. Ça fait vraiment peur. Mais c'est bien, c'est pertinent. Là, j'ai entendu ce que tu as dit là au Douala de quitter l'église évangélique parce que je sais d'où ça vient. Ça vient de l'autre côté là. Donc, on va les embrouiller là-bas. Quand tu demandes alors à mes frères savoir de quitter l'église évangélique, alors que toi, tu nous apprends à le vivre ensemble ici là. Tu veux que nos têtes la disons tout bien, on comprend. Attends, on comprend ça, comment je vais te répondre. Je vais te répondre. Il faut faire la différence entre vivre ensemble et défendre tes intérêts. Tout à fait. Le problème, c'est que nous vivons ensemble, mais on ne défend pas nos intérêts. Est-ce que tu me suis? Parce que si on défendait nos intérêts, ce qui est arrivé dans la vallée du Temps n'allait pas arriver. Tu me suis? Je te prends un exemple. Quand tu entends, je dis, en matière de business, mon frère, je vais faire le business avant le Bamileke. Je n'ai pas le choix. C'est le système. Mon frère, c'est le système. Si tu ne comprends pas que c'est le système, tu regardes maintenant sur le terrain. Tu vas comprendre qu'en matière de business, tu es obligé de faire avec mon beau-frère. Tu n'as pas de choix. Le système est comme ça. Tu prends tous les secteurs. Tu sais bien que toi et moi, on cause en inbox. Quand tu prends tous les secteurs, gars, il n'y a aucun secteur où il n'y a pas un monopole. Il n'y en a pas. Les monopoles sont partout. Même jusqu'à la margarine. Dis-moi, comment tu vas faire. Il dit que même jusqu'à la margarine. La simple margarine. Donc tu penses que c'est en traitant avec que tu pourras battre les monopoles ou bien tu pourras
mon frère, je vais défendre mes intérêts. Je ne peux que traiter avec toi pour défendre mes intérêts. Même la sardine que nous mangeons, qui l'a fait venir au Cameroun? Qui? Dove. Dove. Mon frère, moi je suis réaliste. Mon frère, je ne rêve pas. Parce que il y a une réalité. Je regarde d'abord la réalité. C'est la réalité qui me permet de prendre une décision. C'est pour ça que quand tu vas aller sur le terrain, tu vas dire, bon, ok, je ne fais pas les business avec les gars de l'Ouest. Ils m'ont déjà trop trompé. Mon frère, mon business ne va aller nulle part. Parce que... Mais si on commence déjà à les mettre à l'intérieur, on ne pourra déjà pas un s'évaluer, savoir quel est notre potentiel, savoir ce que nous allons pouvoir faire. On ne peut pas commencer un truc comme ça, on ne sait même pas, on n'a pas encore évalué nos forces et on dit déjà que non, il faut déjà qu'on les mette à l'intérieur. Au moins qu'on a déjà fait une évaluation, on voit que bon, à Gouffo, où est-ce qu'on arrive, on voit encore les capitaux. À Gouffo, oui. J'ai fait géopolitique. J'ai fait géo-ethnie. J'adore les Bamileke. J'adore les Bamileke. Tous mes amis Bamileke savent qui est Abdelkarim Tchou Ambousi. Ils me connaissent tous. Donc, le point, c'est que il y a les gens qui sont surpris. Tu comprends, non? Les gens sont surpris. Papa, moi, il te parle quelque chose depuis 25 ans. On a mis l'affaire sur la table, on a disséqué, on a dit que voici. Mon frère, je te dis, n'aie pas peur, mon frère. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, je te dis encore, tu ne peux pas faire quelque chose. Fais quelque chose dans la réalité. Tu tires les conclusions de ce que tu as fait. Ne tire pas les conclusions sur ce qui s'est passé. Fais d'abord, réalise. C'est quand tu réalises que tu vas avoir les difficultés. C'est le même discours que je suis en train de tenir. Organise-toi d'abord à l'intérieur. Je suis organisé le feu sans seulement. Nos forces, on connaît. Comment est-ce que s'ils sont à l'intérieur, ils ne vont pas chercher à nous mettre à terre s'ils sont déjà à l'intérieur? Nos forces sont connues, nos faiblesses sont connues. Tout le monde connaît nos forces, connaît nos faiblesses. Si tu veux, je te numère rien que les faiblesses. Nos faiblesses partent du fait que l'Église catholique et l'Église presbytérienne nous a enseigné l'égocentrisme. Tout à fait. Je précise donc, il faut encore même répéter. L'Église catholique, l'Église presbytérienne, les musulmans, c'est pour ça que tu vas trouver. Nous de la zone forestière, on est divergents. Quand tu montes vers le nord, ils sont convergents. Parce que la doctrine de l'islam, c'est on mange ensemble. Quand ces gars du Grand Nord descendent vers le sud,
ils deviennent individualistes. Va chez eux au Grand Nord. Ils mangent tout dans une table. Dans une assiette, tout le monde mange. Papa, tu es déjà parti chez une élite chez nous. Et maman, le gars, il mangeait seul au salon avec sa femme et ses trois enfants. Ses neveux mangent derrière là-bas, dans la petite maison qui est derrière là-bas. C'est là-bas on sert pour eux. Et ils mangent là-bas. Mon frère, c'est ça qu'on nous a enseigné. Hein? Akoufo, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu te rappelles quand tu partais chez les tontons? Moi, je te dis la solution, elle est là. Tu vas voir, fais-moi confiance. Hein. Je te dis que fais-moi confiance. Quand tu m'entends, je dis Akoufo, quand tu m'entends, je dis tous ceux qui vont être à la tête de notre petite structure qu'on va mettre, gars, je te fais d'abord un petit rythme. Tu ne veux pas, tu pars. Akoufo, ne te casse pas la tête. Parce qu'on connaît notre faiblesse, c'est la traîtrise. Et pour faire finir la traîtrise, il faut ramener nos traditions à l'intérêt de ce qu'on fait. C'est la seule solution. Et gars, tu ne vas pas être à la tête de quelque chose que CCL a créé. Sans que tu n'as fait un rite traditionnel, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. On ne peut pas. Les gars vont venir demander ça de l'intérieur. Mais du moment où on t'amène au village, on te fait asseoir, on prépare le poulet, tu manges. Après, on te fait traverser le feu. On fait comme ça. On te dit, monte, tu descends. Tu descends, tu dis, monte, tu descends. Cette fois, on dit que, pas même 100 ans. Mais mon frère, dès que tu vas faire une petite erreur, mon frère, nous, on vient au deuil. On danse maintenant. On est même content quand on danse. Pourquoi on sait pourquoi tu es mort? Parce que la mort qu'on ne connaît pas pourquoi tu es mort là, c'est la mort là qui fait souvent mal. Mais la mort qu'on sait pourquoi tu es mort, on est content. Mais c'est quoi ça? Ok. La mort que tu meurs, là, on doit dire qu'il est mort de quoi? Ouais. Hey, la mort qu'on dit que, mais non, il a trahi ses frères. Yeah, non, mon ami. On vient au deuil, on danse, on est même content. Parce que le traître, la chose du traître, c'est un mètre sur la terre. Terminé, il n'y a pas de débat. Débat quoi? C'est un trait. Tu le faisais étant bien conscient que comme je suis en train de faire là, après ce que j'ai fait là, non, c'est fini. Je vous ai dit l'autre jour, pour être un bon rosicrucien, pour être un bon franc-maçon, il faut connaître les marabouts, le faux sort. Tu connais pas ça, c'est que tu connais pas le monde, mes frères. Tu connais pas le monde. Mes grands frères que vous voyez là, Yaoundé là, ils voyagent pas, ils sont chez les marabouts partout. Laissez. Quand ils sont, ils viennent vous dire que ah, je suis un grand maître. Grand quoi? C'est le maraboutage. Moi, ouais, je sais pas, ils vous disent ça. Ouais. Oui, prof, j'ai encore une chose à dire. Je ne prendrai pas une minute, s'il te plaît, par rapport à... Je veux réagir à ce qu'Akoufo venait de dire.
par rapport au terme et au tribalisme, je ne sais pas trop quoi, si tu me permets de parler. Vas-y. Ok, je veux parler. Vas-y. Ah, ok. Bon, je reviens là juste pour parler au prof, n'est-ce pas? Et pour ajouter un peu d'eau, un peu, you know, de vin, un peu devant le vin de notre frère qui vient de parler tout à l'heure, juste pour dire que moi, je le comprends quand même. Je comprends ses réserves, je comprends ses inquiétudes. Je crois que nous tous, nous sommes Camerounais et nous ne sommes pas tribalistes à l'origine. Mais beaucoup d'entre nous ont été victimes de beaucoup de choses, des choses que nous dénonçons ici tout le temps. Donc, je crois quand même que je le comprends. Qu'il soit réservé, qu'il soit prudent, moi aussi je le suis. You know, on dit que le serpent ne mord pas quelqu'un deux fois. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées et moi j'ai des témoignages personnels qui m'amènent à réfléchir. Moi j'ai grandi, je suis Sawa, mais j'ai grandi à Yaoundé, donc c'est pourquoi je parle plusieurs langues. Et j'ai mes meilleures amies, j'ai les amis de l'Ouest, pour dire que ma meilleure amie c'est une fille de l'Ouest. J'ai vécu certaines choses qui nous amènent, et avec tout ce qui se passe maintenant, on est comme un peu traumatisé et on veut être prudent. Donc moi, je veux juste dire au prof, tu es notre Moussina, en Douala, Moussina, c'est celui qui donne la direction, qui dirige le bateau. Donc c'est lui qui donne la direction et qu'on suit. Donc nous, on va seulement te suivre, mais il ne faut pas que demain, comme on dit en Douala, il ne faut pas qu'il y ait un problème. Parce que si ça capote, c'est toi qu'on va accuser, tu vois un peu. C'est toi qu'on va dire que Abdel, on t'avait bien dit, on avait bien dit que c'est là qu'on est derrière là. Donc nous, tu es notre Moussina, nous on te suit. Il faut juste que la prudence, pour qu'on n'écrit pas ton nom demain. Donc merci, on est terminé. Merci. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on fait là, à un certain moment, vous allez vous-même voir les statuts. C'est d'écrire, non? Vous allez voir les statuts. Vous allez voir les statuts. Je suis en train d'écrire. Je finis ça. Peut-être vendredi, je vais finir. Je vais partager à tout le monde dans le groupe WhatsApp. Chacun va lire, faire des annotations. Dire qu'ici, là, on peut ajouter, on peut enlever, etc. Mais tout ça, là. Moi, je ne suis pas le genre de personne. J'aime faire quelque chose, je mets quelqu'un à côté de moi et je dis que viens voir. Parce que je pense, moi, je pense toujours que je peux ne pas être là. Ça veut dire que je peux mourir. Je suis un être humain. Celui que je vais mettre à côté de moi, là, je vais tout lui montrer. Même les marabouts, je vais lui montrer. Je vais tout lui montrer parce qu'on ne vous trompe pas. Moi, il y a des choses que je connais à tel point que quand je vois quelqu'un comme ça, l'Algérie, je vais tout montrer. Parce que si tu ne... C'est ce que nos parents faisaient. Il grandit, il monte. Les jeunes de maintenant, il a quelque chose, il ne monte pas. Il meurt, il part avec. Parce que si tu ne sais pas comment on fait un rite, tu ne peux pas diriger les gens. Tu ne peux pas. Il faut savoir comment faire pour contrer les traîtres. Parce que notre problème, c'est la traîtrise. Je répète, notre problème, le plus grand problème, c'est la traîtrise. Je voudrais parler de quelque chose. Je veux interpeller mes frères Betty. Je veux les interpeller. Moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je t'appelle dans ton inbox. Je te dis, tu as dit que Abdel a fait que. Peut-être tu peux avoir raison. Explique-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Je l'ai fait avec Ngouta, Jean-Marie. Je l'ai fait avec Atangana Medou. Je l'ai fait avec Amaouli. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette fâcheuse habitude qu'ont mes frères petits.
Si vous avez une difficulté avec Armand Willy, appelle Armand Willy dans son inbox. Tu dis, Armand Willy, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que. Si possible, tu mets là, tu causes avec lui, avec une troisième voix, quatrième personne. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand on est en famille. C'est quand la causerie en famille n'a pas trouvé solution que la causerie en famille explose dehors. Quelle est cette histoire? Et c'est la même chose que je dis à Armand Willy. Si Oran Guini écrit, appelle Oran Guini. Dis à Oran Guini, prof, explique-moi, tu reproches quoi? C'est ce que moi je sais. Je ne dis pas que moi je ne le fais pas. Moi je l'applique. Parce que je ne trouve pas nécessaire qu'on vienne sur la toile, on se met à tirer les fesses sur nous. L'autre tire sur l'autre tire. C'est quelle qualité ça? Vous croyez qu'on ira où avec ça? Nulle part. J'ai dit nulle part. Ça n'avancera nulle part. Au contraire, c'est le genre d'histoire, un boxeur qui est en train d'aller combattre. Il commence, au lieu de s'entraîner le jour du combat, il commence à faire des petits gestes juste pour faire un petit relaxage. On commence à faire ce qu'on est en train de faire là. Vous croyez qu'on va arriver où avec ça? Armand Willy dit fédération. Dites que non. Dites à Armand Willy que Armand Willy non. Voici. C'est le débat. C'est un débat, ce n'est pas les insultes. Ce n'est pas que, oh, tel n'a pas fait l'école, tel est salopard, tel est ceci. Ça ne nous sert pas, vous êtes en train de nous détruire. C'est quelle qualité ça? Ils divent la fédération. Il faut le convaincre avec les arguments. Parce que les faits lui donnent raison. Maintenant, dites-lui qu'avec les faits qu'il est en train de montrer, non, qu'il a tort. Malgré tout cet art qu'il est en train de présenter, nous pouvons faire comme ça, pour redresser le bateau. C'est comme ça qu'on fait. Ça se parle dans la maison. Mais vous sortez avec ça, en public, vous versez dehors. Vous... C'est quelle qualité ça? Et ça me fait pitié. Franchement, ça donne la honte. Chacun doit... Moi, quand je sais que quelqu'un a une position, j'essaie toujours de venir dans ton inbox. Toujours. Je le fais avec tout le monde. Des fois, j'appelle Gino Zoro. Je dis que non, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. C'est comme ça. Fais le direct. Parce que je vais trouver que si il faut que je refasse le direct, je vais venir contredire Gino. Je préfère l'appeler. Tu as dit que non. C'est comme ça. Refais le direct. Il part encore fouiller, il trouve que c'est ça. Il refait le direct. Vous croyez que quoi? Il faut convaincre Armand. Il faut le convaincre avec les arguments. Ce n'est pas avec les insultes. On est en train de s'auto-détruire. Vous croyez qu'on va arriver à votre salon? On va arriver nulle part. Ça n'ira nulle part. Mais ça allait être avantageux. Si tu n'es pas d'accord avec Armand Willy,
Tu cherches une médiation. Tu cherches une médiation. Tu mets trois personnes, appelle Messenger, vous discutez à trois, quatre. C'est comme ça que ça doit être. Au lieu de ça, non, je ne le parle pas. Non, l'autre dit que non, moi je ne le parle pas. Oh, au nom de Dieu, c'est un dictateur. Mais est-ce que tu as cherché la médiation? Si Onangini écrit quelque chose, va vers Onangini. Tu causes avec lui, il bosse. Vous vous expliquez, ça s'arrête là-bas. Moi, je ne sais pas. Vraiment, ça fait tellement mal de voir tout ça. Tu dis que mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'il comprend ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas. Moi, je vous en supplie, arrêtez avec ça. Si vous avez les désaccords avec Amand, allez appeler Amand une bosse, discutez, faites des compromis, mais de grâce, vraiment le cinéma que vous nous faites là, mon frère, c'est pas bon. Et j'interpelle tout ce qui me parle des intellectuels. Moi, j'ai ma philosophie, elle est simple. Intellectuel ou pas intellectuel. Mais si tu peux faire en sorte que nos intérêts passent avant pour tout le monde, je te suis. Moi, je ne regarde pas intellectuel. Moi, je regarde mes intérêts. Mais est-ce que ce que le gars est en train de dire, ça va défendre mes intérêts? L'État unitaire nous a phagocyté. C'est un fait. Tout le monde est en train de voir que l'État unitaire nous a phagocyté. Même la décentralisation que le président veut implémenter, ils sont en train de bloquer. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de bloquer? Mais il faut expliquer avec les arguments. Vous expliquez. Mais tout ça doit se faire inbox. Vous expliquez. Vous ne trouvez pas la solution. Vous renvoyez la réunion à demain jusqu'à vous trouver des compromis. C'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas en public. Moi, vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Quand je vois tout ce cinéma-là, ça me fait bizarre. Il dit que, mais attendez. Le combat sera long. Vous croyez que le combat, ça va finir dans 2 ans. J'ai attendu 25 ans pour parler. 25. Parce que en stratégie de communication, tant que tu n'as pas l'angle pour parler, tu ne parles pas, on appelle ça avoir l'occasion de mettre la problématique sur la table. J'ai dit aux gens, on vous trompe. C'est l'économie. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Moi, je vous dis, si vous avez des divergences, c'est normal que vous ayez des divergences. Moi, la divergence n'est pas un problème. Moi, je prends les divergences ici avec mes gens. Mais on a la plateforme. Et quand bien même je finis dans la plateforme, je pars dans les inbox. J'explique encore. C'est ce que je fais. Je t'explique. Peut-être quelque chose que tu n'as pas bien compris. Je peux t'expliquer ça peut-être avec d'autres mots, tu vas comprendre. C'est comme ça que la vie en communauté doit être. On aura toujours des différences.
On a tous les différents. Mais c'est notre capacité à les surmonter et à faire des compromis pour qu'on avance. L'essentiel, c'est avoir toujours des compromis, s'attendre toujours à avoir des compromis. Parce que si vous restez dans les blocages, ça ne va pas avancer. C'est ça qui a bloqué. Bon, ok, les intellectuels, ce n'est pas les intellectuels qui gèrent le Cameroun. C'est les intellectuels, non. Appelez Amand Willy, inbox, vous causez avec lui, c'est votre frère. Que devenez dans les réseaux sociaux, l'insulter. Il n'a pas fait l'école. Il fait jouer les entourloupes. Oh, il connaît les gens. Il fait ceci. Ça ne nous honore pas. Pas du tout. Au contraire, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Parce qu'on est en train de mettre sur pied une stratégie qui va décourager tout le monde. Ils ne peuvent rien faire. On ne vous a pas dit. Ils sont incapables. Les voilà. C'est à la conclusion là que ça va arriver. Vous allez voir. Si vous ne connaissez pas que à chaque fois, il y aura les différents, mais c'est votre capacité à vous mettre au-dessus et chercher à faire des compromis et avancer. Mon frère, décembre n'est pas le mois, vous allez voir, ça va exploser. Vous pouvez avoir des divergences, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. C'est-à-dire, vous avez vous-même le minimum où vous devez vous entendre, qui vous dit qu'ici, là, on ne traverse pas. C'est ça qu'on dit vivre en famille. Avoir des problèmes et résoudre ces problèmes. À ce moment-là, quand tu vas faire la médiation, Armand Willy refuse la médiation, c'est ça que tu vas mettre sur la table. Tu dis non, je suis parti faire la médiation, je l'ai appelé pour qu'il vienne en cause, j'ai appelé tel grand frère pour qu'il vienne en cause, il a refusé. C'est ça que tu écris. Les gens vont aller lui voir, mais comment? Donc, toi tu vas faire quelque chose, on ne doit pas te reprocher, on doit te reprocher, dire voilà, tu as dit que c'est pas bon. C'est comme ça que ça se passe, mes frères. À bon entendeur, salut. Beaucoup de peuples, chacun vient avec sa part. On passe par le tribalisme.
t'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, là, un char, tu ne vas même pas Paul Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chipes à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les jambes, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah. Bla 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 bla. Tomber de peine se paye, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te plaît, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le WC est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.